Allez, on prend des forces. Allez, je fais ma fille bien aujourd'hui, je mange pas de Nutella. Bon, comme Lana était adorable ces derniers jours, je vous en avais parlé du système de récompense que j'avais mis en place. Je vous mets le vlog là. Du coup, c'est ça le livre. Il est énorme. Je vous mets le lien sur d'Amazon.fr en barre d'infos si vous voulez voir. Il est en français celui-là, donc tu peux les lire. T'as toutes les races de chiens. Toutes. Et regarde, là j'ai mis un petit truc. Oh, il est trop mignon. Là, il t'explique comment marche le livre. Attends. Oh, regarde. Ouais. Ça c'est pour. Alors ça, ça veut dire qu'ils doivent aller chez le toiletteur, donc aller chez le coiffeur régulièrement. Ça, ça veut dire que c'est des chiens qui ont besoin de beaucoup bouger. Le sifflet, ça veut dire que c'est des chiens qu'il faut dresser. Quand il y a une immeuble, ça veut dire qu'ils peuvent vivre en appartement. Et quand c'est barré, ça veut dire qu'ils peuvent pas vivre en appartement. D'accord? Voilà. Regarde. Là, il t'explique juste le livre. Là, il t'explique les différences de museau. C'est celui-là. Oh, on dirait un loup. C'est un loup. Tout ce que c'est un... Mais là, c'est le début. C'est l'introduction, Lana. Il va... bah, parce qu'on va lire. Tout ça, c'est l'introduction, tu vois. Et après, ça commence les noms de chiens. Tu vois, il t'explique les différences de pattes, de queue. Il est vraiment chouette, ce livre. Un très, très beau livre. C'est un livre de grand, hein. C'est pas un livre de. Je crois que c'est ton premier livre de grand que t'as. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et, lui, et Buddy, est elle est comment? Elle est comment, Buddy? Non, Buddy, elle est comme ça. Ah, elle, a les pattes... elle a les pattes qui vont tout travers. Et les jambes. Comme ça. Non. Comme ça. Ouais. Il est plutôt comme ça. Je sais pas trop. Eh, c'est trop mignon. Oh, il est gros celui-là. Oh, il est trop pipi. Avec sa petite. Avec, un... avec son petit œuf dans les. Oh. Ah, ah non, ça fait peur ça. Quoi, des chèvres? Ah oui, parce des que moutons. Le chien, c'est il... un chien de berger. Comme ah dans oui. Babe. Parce qu'il a des chiens pas gentils qui attaquent un de... Oui, non, mais les chiens de berger, normalement, c'est juste pour s'occuper et guider le troupeau, en fait. Dans Babe, il y a des chiens pas gentils, mais lui, il est gentil. Et donc, tu vois, tout ça, c'est l'introduction. Oh, quoi? Une assiette dans sa bouche? Ouais, c'est un truc pour jouer. Et après, là, t'as les fiches. Donc, ça veut dire que t'as toutes les races de chiens. Je veux tout lire, toi. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce 23 février 2019. Je pense qu'aujourd'hui, la journée va être similaire à celle d'hier. Donc voilà, c'est-à-dire cours de ski pour Lana ce matin. Moi, je vais pas skier, j'irai sûrement balader ou rester avec les filles. Et cet après-midi, j'irai skier avec Nico, parce que Nico reste là ce matin, il a du boulot. Puis il est un peu mort parce qu'il a passé une semaine de dingue. Enfin bref. Il viendra, on skiera que cet après-midi. Et voilà, ma foi, c'est parti pour une nouvelle journée de ski. Alors aujourd'hui, le soleil est un petit peu moins présent. Il n'est pas censé neiger, mais il fait un petit peu grisou. Mais c'est pas grave. Hein. C'est déjà très bien qu'il neige pas et qu'on puisse skier et en profiter. On a tellement de chance hier avec la météo que voilà. Et puis c'est parti. Je vous embarque pour ce nouveau, pour ce samedi. On rentre demain, hein. Déjà. J'ai vraiment pas envie de rentrer. Ouais. Et ouais, j'ai la tête, voilà, j'ai le nez tout rouge, j'ai pris un coup de soleil, j'ai la lèvre défoncée, j'ai le menton à force de faire comme ça, tout sec, tout bousillé. Mais bon, c'est pas grave, c'est les petits problèmes du ski qu'on aime. Enfin bref, je vous embarque, c'est parti. 9h04, et c'est parti pour le ski. Il y a un petit coup de soleil là-bas. Alors, un petit coup de navette et on est à la station. C'est très très proche entre le parking et la station, il y a une minute de bus. Bah voilà, Titi est prête. Alors elle est orange finalement parce que j'ai dit au monsieur qu'elle savait pas encore vraiment très bien s'arrêter comme vous avez pu le voir hier dans la vidéo. Donc du coup, on va faire orange, ce sera bien. Elle se perfectionnera. Le but c'est pas d'aller plus vite possible. Donc voilà, ici c'est pas des flocons, des oursons et tout, c'est par rapport à leurs compétences. Ça va du jaune au violet, au bleu. Au bleu là-bas.
Voilà, ça se passe comme ça. Bon, ben Lana s'est déjà instauré des rituels au ski. Faire la petite balançoire avant de commencer son cours. Tu veux que je te pousse? Oh. Attention. Et après, il faut aller au cours, hein, Lana. Bon, il fait vraiment grisou aujourd'hui. Mais ça va, il fait pas très froid. You are Jane. Comment elle a dit? Non, Jeanne. And you are? Lana. Ah, ok, ok. Can I try again? Leah. Yeah. Ella. Et que des A. Jean. Ah. Il est sympa comme tout le mono. Tout à l'heure, mon amour, Skippy a mon bébé. La team des 4 nanas. Allez, va là-bas, Lana. Allez, fais-moi un dernier arrêt. Waouh. Tu sais enlever tes skis? Très bien, je crois. Vas-y, pousse. Waouh. Bah, dis donc. Ça t'a plu, mon amour? Tu sais t'arrêter maintenant? Ouais, hein, j'ai vu. Tu sais bien t'arrêter maintenant, mon amour. Qu'est-ce que tu as eu, mon amour? Tu veux voir? T'as eu un petit pit? Tu vois? Ouais, tu l'as pas eu hier ça. T'as d'honneur Snowflakes. Allez, déjeuner time. Et c'est reparti pour une session ski. Snowboard.
aller goûter. Nous sommes dans le vieux Truckee, c'est la première fois qu'on vient là personnellement. Et on va aller prendre un bon café chocolat chaud parce qu'on a la dalle et qu'on c'est l'heure de goûter. On y va, Chacha? Alors voilà, celle-là, c'est Coffee Bar. C'est l'un des rares endroits qui est encore ouvert parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses fermées à cette heure-ci. Il y a de la musique et tout, dis donc, c'est sympa. Allez, on va aller manger, prendre un peu de sucre. On en a besoin après tout ce sport. Mon bébé, tu m'as manqué, mon cœur. Mon amour. Allez, viens. Tu vas me dire ce que tu veux goûter, mon bébé. Quoi? Ah ben, on va voir. Tiens, viens. Regarde. C'est bon, mon amour? C'est le goût, tu sais, le truc où il a le jouet là et après il a... Le Kinder? C'est le goût des Kinder? Oui, tu sais... Oh là là. Oui, oui. Il va falloir que tu me fasses goûter alors. Moi, j'ai pris un brownie. Mimi. C'est quoi? C'est un café, Nico? C'est un latte. Oh là là. Pourquoi nous on a un truc tout moche et toi t'as un truc tout beau? Parce que c'est nul. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Bon, ça va. Appelle-moi Nick. Véro, fais voir. Fais voir. Lève-le. Alors voici la tasse théière incorporée. Allez, petite promenade avant la nuit tombée. Qu'est-ce que tu fais, Lana? Oh là là, c'est trop beau. Hein. C'est tellement beau hein, avec les lumières et tout. Oh, bah il y a un petit magasin qui nous appelle, nous. Aurore, hein, regarde, c'est la même marque qu'il y a au Québec avec les pyjamas trop magnifiques. Oh, il est super beau, celui-là. Oh là là, regardez les trucs trop beaux qu'ils ont. Celui-là, je l'aime beaucoup pour Lana aussi. Trop beau. Alors, il y a plein de petits magasins. Je vais acheter quelques petits souvenirs. Là, il y a écrit Open. On cherche les copains parce que du coup, on a mis 10 ans et du coup, on a perdu les copains. Et aussi, on a acheté des bracelets pour... Ouais, des bracelets comme ça, là, ça. Claque, là. Voilà, hop. Voilà. Pour Lana et les copineaux. Allez, c'est très mignon, hein. J'adore les petits centres-villes, vieux centres-villes comme ça. Tu vas voir le tien, oui. Oh là là, ah, attends, est-ce qu'il y a du monde? Oh là là, il y a de la tentation là-dedans. Ah, la petite phoque! C'est vraiment trop cutie, hein, comme coin. J'adore ces petites filles comme ça. Allez, go, on rentre au chalet. Allez, viens, ma puce. On rentre au chaud. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas sur moi, hein. Sur papa. Il n'y a personne là-bas. Bon, bah, ce soir, c'est reste. Voilà. Il y a encore il y a le reste de Karine qui arrive. Les patates. Dernier dîner. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer là, Chacha? Alors que les petits sont couchés? Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec les adolescents, nous? Je sais pas, les prends sa revanche. Ah, il y a une revanche à prendre apparemment. Ah là là, allez, moi j'allais me poser là et je vais glander. Ouf. Bon, bah sur une idée originale, après les idées de Virginie, les idées de Véro, on a une bonne team. Hein. Ça coule de partout. C'est bien, t'es prête pour Halloween. Allez, dans la neige, je vous fais une photo là. Qu'est-ce qu'on est belle. Oh, ça pique hein, par contre hein. Vous savez que l'hôpital avec le ah ça pique là là. Mais toi, c'est là que ça pique. Avec le frottement du non, truc à ski non, moi. Si ça me pique là. Moi c'est là, ça arrête pas de me piquer. Oui, moi ça pique là. Tu sais avec le parce que quand je skie, je monte le ça désinfecte, c'est normal. Mais non, c'est hydratant. Toi c'est hydratant. Tu vois? Moi c'est hydratant. Non, moi ça me pique nulle part sauf là. C'est ça qu'on a fait. Le menton, mais c'est peut-être parce que j'ai plus de détoxifié. Mais moi c'est parce que c'est sec. Je sais pas parce que moi c'est le menton comme ça. Putain, pas une tête. Mon dieu. Quoi, je suis pas belle chérie? J'ai ma mine. Il y en a un autre si tu veux chérie. Joker. Oh mince. Tu préfères jouer à Mallorca? À Mallorca.
Putain, j'arriverai pas. J'arrive plus à parler. C'est un effet bizarre. Il a l'air ou pas? Coucou le grand. T'as regardé ça, si, ou pas? Oui, c'est bon. 6. 6 plus 5, ça fait combien? 11. Mais ça commence à agir là, la masse, c'est bien. Pourquoi t'as le nez là? Moi ça fait pas ça. Ah mais moi ça colle pas, c'est nul. Attends. Ah ça fait mal. Attends, c'est horrible. Attends. Ah mais c'est parti dessous en fait. Regarde. Alors voici ce que j'ai acheté. Pas grand chose. Hein. J'ai pris ce stickers Lactao pour mettre sur le van. Il est magnifique. Voilà. J'ai pris ce t-shirt couleur bleu eau, vert d'eau, je sais jamais, mint, pour Lana, voilà, qui est trop trop beau. Elle a voulu une petite pierre, Lana adore les pierres, hein, vous le savez maintenant. Elle a voulu une petite pierre qui brille, mais on voit pas trop, mais elle brille, avec écrit Lactao. Et elle a voulu ça, c'est une boule à neige, voilà, avec de la neige, hein, on est dans le thème, avec un nounours, qui est très très beau, là, avec les différentes activités qu'on peut faire sur Lactao. Et voilà, et c'est tout. Et les trois petits bracelets là qu'elle a vous montré hier soir. Et voilà. Donc je vous retrouve une nouvelle fois le lendemain. Voilà, c'était encore une super journée, hein, forcément. Lana s'est très bien débrouillée au cours de ski. J'ai oublié de vous faire un petit speech hier là-dessus, mais Lana se débrouille très 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 bien en ski. Donc en fait, là, le premier cours qu'elle avait fait, la Dana avait dit de la mettre, alors elle était en jaune. Après, il y a orange et il y a rouge. D'ailleurs, dans le vlog d'aujourd'hui, donc le dernier vlog de dimanche, je vous expliquerai un petit peu mieux les niveaux de ski, parce que c'est clairement très différent qu'en France, c'est pas des étoiles et des machins. Donc je vous expliquerai tout ça en détail dans le dernier vlog. Et en fait, elle était donc jaune. Après, elle a dit, la nana, passez-la en rouge. Mais le rouge, c'est je sais freiner toute seule. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé qu'à la fin du cours, elle savait très, très bien freiner toute seule. Donc, on a décidé avec Véro de les remettre. Mais au niveau juste du dessus, pas de trucs. De toute façon, le but, c'était pas d'en faire des championnats. Si c'était pour que ça leur fasse plus peur qu'autre chose, c'était pas la peine. Donc, bref. Du coup, on les a passés en orange et pas en rouge. Et du coup, là, maintenant, elles savent vraiment bien freiner toute seule. La pizza, ils appellent ça la pizza, le chasse-neige. En fait, French fries, donc frites, c'est le parallèle. Et pizza, c'est le chasse-neige en français. C'est marrant. Bref, du coup, maintenant, elles savent freiner en pizza. Et... Mon chat. Ton téléphone, il... Oui, je sais, chérie. C'est bon. T'inquiète. Merci. Et qu'est-ce que je disais? Bref. Et du coup, elles se débrouillent super bien. Elles ont eu leur petit badge et tout. Enfin, elles sont marrantes parce qu'elles ont le même niveau et tout. Puis elles s'entendent super bien. Enfin, c'est trop mignon. Et donc, finalement, on devait faire que deux cours de ski. Et on en a repris un troisième aujourd'hui parce que elle est tellement... à l'aise, contente et tout ça, et bonne, qu'on a repris finalement pour le dernier matin, on a repris un cours de ski pour rester dans la dynamique. Mais voilà, c'était chouette, nous on a reskié l'après-midi, c'était super chouette. On a tous à peu près, enfin, on n'a pas les mêmes niveaux, hein. Moi clairement j'ai pas le même niveau que par exemple que Didier qui est très 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 fort en ski. Mais bon, on arrive tous à descendre à peu près à la même vitesse, voilà, moi j'ai commencé à aller bien dans les arbres alors qu'avant c'est un truc que je ne faisais jamais. Et là au final j'ai passé ma vie dans la forêt à la fin. Donc voilà, c'est chouette, on se régale. Enfin, c'était que du bonheur, on a bien savouré parce que je savais moi que c'était mes dernières descentes parce qu'aujourd'hui, là, le dernier jour, je ne skierai pas. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Il en restera du coup un, le dernier. Et après, il y aura une petite pause dans les Cali Vlogs. Et voilà, comme je vous disais, je me tâte à pas faire un challenge un mois de Daily Vlog, un mois de Cali Vlog en mars. Donc je vais monter ces vlogs, je vais vous les publier. Et je vais voir ce que je fais, si je fais ça ou pas. Mais j'avoue que ça m'intrigue un petit peu cette histoire, donc je pense que je vais le faire. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous retrouve pour la suite. Je pense que je publierai les vlogs tous les deux jours, donc peut-être pas demain, mais après-demain. Voilà, bisous. Hey, saute.